Maintenant on va commencer. Nous avons des îles, il y a une île là pour la matière première. Là on fait les beurre de cacao et le poudre de cacao ici de la métal. C'est là où on va commencer. On commence par là. Il n'y a pas beaucoup de. Oui, mais voilà, nous sommes là pour faire la publicité. C'est ça. C'est-à-dire que quand le support de cacao arrive, les gens vont étaler, on l'amène. C'est un voyage qu'on a récolté, séché. C'est le même de cacao, mon cacao. C'est séché déjà. Oui, oui. Ça, c'est bon, ça. C'est bon. Pour l'espèce. C'est le rôle de la vie à filmer la cacao. Oui, c'est pour le cœur, tout ça. Oui. C'est ça, mon cacao. Après ça, on entre là-dedans, maintenant, où on va commencer à. La torréfaction. Manger, il n'y a pas de. Ce n'est pas mauvais. C'est je donne un peu à quelqu'un ton appareil pour qu'il filme un peu là. Oui, oui. Parce que le mien, je l'ai laissé à la charge dans la voiture. Oui, oui. C'est bien qu'on oui. Filme là. Oui. On est des cousins. Dé, viens, viens. Tu sais quand même prendre des. Filmer, non oui. Quand là, tu peux manger ça, il n'y a pas de risque. Ah, non, non, il n'y a pas de risque. Non, mangez beaucoup. On mange ça d'abord pour les. Moi j'ai exporté du cacao. C'est comme ça, tu le manges comme ça. Moi je mange. C'est bon. Un bon petit oui. Ça sent. Oui, oui. Un petit de. C'est pour, hein. Il pense à autre chose. Le problème peut t'aider pour les stress. Le stress et pour les nerfs aussi. Ouais, ah oui, donc les nerfs. Ah, ok, voilà. Les nerfs. Si vous êtes au bureau, on comprend maintenant à quoi il va se passer au nerf. Nerf sciatique, bien entendu. Bon, c'est-à-dire. Mais il n'y a pas quelqu'un. Mais les journalistes. Nous sommes là. Oui, mais vous êtes ici, nous on a besoin de partir avec nos images. On peut vous les partager. Non, non, on va honorable. On va donner à l'honorable. Oui, oui. Bon, tu n'y as pas. Ok. C'est là où on va se passer. Qui est contenu dans le verre. Alors c'est très important et c'est cette machine on l'a conçue nous-mêmes comme vous l'avez vu. Ah bon, c'est vous-même. Vous n'avez pas acheté le téléfacteur en Inde ou au Japon. Comme vous allez voir, c'est local vraiment. C'est là où on va mettre nos fers ici devant. Et là on va utiliser le gaz comme source d'énergie. Et on va torréfier ici pendant 20 minutes à 120 degrés. Donc c'est important vraiment la torréfaction parce que c'est là où vraiment l'arôme va sortir de la fève. Donc si vous torréfiez longtemps, vous allez tout arriver à abîmer. Voilà. Donc c'est une étape cruciale. Malheureusement, la machine est petite et ça a été fait localement. Après, c'est là. Ce sont les fèves qui sont derrière vous. Les fèves torréfiées qui sont là. C'est ça. Ils sont torréfiés déjà. Et les torréfiés. Voilà. Donc c'est après la torréfication, ça va arriver. C'est encore local, comme vous voyez. On va mettre ces fèves ici dedans. Et là, on va broyer pour avoir maintenant une pâte. Et la pâte là, c'est. Elle est là-bas. La pâte est localement. Oui, localement. Donc, ça, on peut déjà appeler ça chocolat 100%. Chocolat noir 100%. Alors, l'importance de ça, c'est quoi? Avec ça, maintenant, on peut extraire encore. Ici, c'est le beurre de cacao qui sort de la pâte. Donc, là, on peut déjà vous montrer le beurre de cacao. Ça sort de cette pâte-là. Voilà, oui. Beurre de cacao. Le beurre de cacao va nous servir à quoi? À la fabrication du chocolat, mais aussi du cosmétique. On utilise ça beaucoup. Donc, rouge à lèvres, tout ce qui est lotion, suppositoire. Pour que ça tienne là. Oui. Pour que ça soit pâteux, que ça tienne, c'est avec du beurre de chocolat parce qu'il est neutre.
faire le rouge à lèvres. Rouge à lèvres, pommes, tout ça. Et ce qui va rester, qu'on appelle tourteau après la presse, ça va produire la poudre du cacao. Ici, ça c'est la poudre qui va rester. Et cette poudre aussi, ça c'est la poudre du cacao. Cette poudre va servir maintenant dans la fabrication de gâteaux. Donc tout ce qui est pâtisserie, biscuiterie, ils vont utiliser ça. Donc avec ça, nous avons des usines. Des industries qui peuvent naître à partir d'ici. Cosmétiques et pâtisserie, biscuiterie, voilà. Et aussi, ces deux produits encore, ces trois produits vont servir encore dans la fabrication du chocolat, là où nous allons aller. Donc vous avez les trois matières premières pour faire le chocolat. Et autres choses, beaucoup de choses alors. Oui. Et là, c'est quoi? Ça, c'est le café. Ça, c'est le café. Non, calme. Ça, ça donne une solution vraiment. Vous savez, au bio, mais il faut qu'on m'accepte. Si quelqu'un est intéressé, est-ce qu'il y a le volume? Là, il n'y en a pas beaucoup. Ah, c'est ça. Parce qu'il faut avoir des plantations. C'est ça. Ça dépend de la aucune banque de suite. Ils sont ici, mais j'hésite. Il y a les intérêts. Même nous, on sort le conseil des intérêts. Quelle est la capacité, la compétitivité en termes de prix? Le prix, parce que pour nous, ça a été un peu cher, parce que le coût que nous faisons, c'est trop. Mais pourquoi vous avez un coût élevé? Parce que vous n'avez pas. Pas tellement, parce qu'à cause des volumes, nous avons le travail qu'on est en train de faire. Avec la main, donc c'est ce qu'on fait avec la main. Et le travail que celui qui a une machine fait, c'est presque la même chose, mais lui il fait la grande quantité. Parce que nous on n'a pas la machine. Alors il faut avoir le même coût. Et ça s'ouvre comment votre affaire? En tout cas, aujourd'hui, on a fait la publicité de votre produit à Kinshasa chez Mabélé. Mabélé. Oui, j'ai la photo aujourd'hui. J'ai vu la photo à Kinshasa. Voilà, vous avez suivi. Merci. Mais est-ce que ces gars-là m'ont même vendu? Oui, il y a c'est insignifiant, 6 kilos par jour. Un seul client, si, va vous prendre ça. Ouais. Donc, c'est bien vous approcher de moi. Oui. C'est ça la partie du chocolat. Ouais. Ça, c'est un broyeur de manger. Il va broyer. Et ça va tourner pendant 24 heures. Ce sont des machines vraiment qui ne chauffent pas. Oui. Malheureusement, ils sont difficiles à trouver dans la région. Ça vient souvent des États-Unis de l'Europe. C'est toujours comme ça. Donc, ce sont des machines vraiment très importantes. Ils vont travailler pendant 24 heures. Ils vont mélanger tout ce qu'il y a, donc on va mettre du lait, du sucre, et c'est ce qui va mélanger la pâte et avec du lait, du sucre, et au finish, on aura du chocolat. Et quand ça va sortir ici, on va l'amener à la mise en forme là-bas, là où nous verrons. Et ensuite, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Chocolat au lait, chocolat blanc et chocolat noir. Alors c'est ici, ça va maintenant, ça va nous permettre de garder la température pour permettre au jeune homme ici qui travaille ici de mettre dans le ce qu'on appelle du moule de forme. Donc il va vous montrer comment il va le faire. Le noir. Le noir.
Vous allez voir comment qu'est-ce qui se passe avec la mise en force. Donc ça c'est ce qu'on appelle les MOOC, c'est une tablette qui va faire. Tout ça dans les grandes unités, tout ça est fait automatiquement. Normalement il y a des grands bars, des machines automatiques, oui. Ils vont remplir ça. Là c'est un peu la machine. Voilà. Là, il va mettre ça ici. Normalement, il y a une machine qui doit faire ça. Oui, ça devrait être une machine qui fait ça. Ça, c'est vraiment artisan chocolier. Le chocolatier, c'est dans ça, c'est beaucoup plus cher. Là, il va finaliser cette opération. Et après, ça sera, on va les mettre dans le frigo. Le frigo, c'est important encore parce que là, c'est pour nous permettre d'avoir un chocolat qui est cristallisé. Donc, un chocolat qui a des craques quand on va découper. Donc, vous allez voir que la température est très importante. Là, on va quitter de 45, on va arriver à la température ambiante. Là, on va aller encore à 8 degrés. Donc, la température, vraiment, c'est important dans la fabrication. Parce qu'il y a un chocolat dans le frigo. Donc, oui. Donc là c'est un chocolat qu'on a mis avant, donc il va le temps de dérouler, comme vous allez le voir. Et voilà. Et tout ça, sont des machines qui font ça. Hein. Tout ça, c'est des machines. Normalement, on ne devrait plus avoir une manipulation humaine. C'est un chocolat maintenant qui est prêt, qui va rester là-bas pendant quelques minutes. Vous pouvez goûter déjà. Pas différent, ça, avec le chocolat. C'est pas différent. Vous pouvez goûter. Vous goûter. Mais il faut enlever le gant. Il faut enlever le gant. Non. Bon, il n'y a pas de problème. Tu peux enlever si vous voulez. Je peux le garder ou bien je l'enlève. Vous pouvez m'en difficile, ça. Madame, non, vous pouvez garder ça parce que vous allez revenir aussi pour faire votre chocolat. Ah, vous allez faire vous faire votre chocolat. Ah, ok. On est qu'à tirer, c'est bon. C'est craquant, ça. Tout le monde peut goûter. Excellent. Très, très bon. J'ai dû acheter. Chocolat, oui. Mais tu achètes ça, quelle quantité par mois de production? De 300 kilos. 300 kilos. Où est l'emballage que je vois l'emballage? Vous allez, on va voir, vous allez voir tout ça. On a, parce qu'on a pris beaucoup de temps. On n'a pris que 10 minutes. Oui, bonjour, j'en ai rien. Faire une photo avec ça. Ce n'est pas facile. Ça ne va jamais se remplir, la série. Non, non, vous allez voir, ça ne te dépend de moi. Hein. Oh, ça ne te dépend de moi. Non, le chocolat il est très bon. Et prends la tête l'eau, hein, parce qu'il y a la rivière qui traverse sur le calme, c'est un peu loin. Il y a une rivière qui traverse la Birma,
Donc vous savez que le cacao qui vient de Walikale. Oui, oui. Loa, c'est le nom de la rivière. Je suis né à Kinshasa. Ah bon, il y a béni, il y a béni Loa. Quoi, c'est quoi, frère? Déjà, c'est bon. J'ai un peu la bouteille. Mini, ça poigne déjà. Ça poigne, vas-y. Il y a un bouteille qui est renversé, il y a un démon. Ok, je n'ai pas envie de ça. Ok. Il y a le chocolat ici pour les clients, qui ont la forme des choses aussi, qui est fatigué, mais tu prends un peu, ça enlève le stress, tout ça. Ça le monde. En tout cas, c'est très bon. J'allais manger avec ma L'étape suivante, c'est l'emballage, comme vous avez vu dans la production. Et là, maintenant, on va se diriger vers l'emballage. Ce que c'est, excusez-moi. Ça va arriver ici. Ça, c'était à la mer. On va utiliser l'aluminium qui est très important pour protéger contre la chaleur et aussi les bactéries. Et voilà comment l'emballage va se faire ici. Donc, là, c'est notre emballage. C'est imprimé localement ici. Pas les imprimeurs. Nous avons reconçu tout ça et on va maintenant le mettre. C'est pour protéger contre la lumière, la chaleur, tout ça. Les chocolats, quand on met l'aluminium. Ouais, tout ça, ça s'est fait à mer alors que ça. Alors, tout ça, c'est automatique. Ça s'est fait dans 2 minutes. On devrait terminer toute cette histoire. Mais comme on n'a pas de machine, on fait ça localement. Bon. Donc, il peut faire facilement 150 tablettes par jour. Oui, par jour. Avec la main. Oui. La machine fait 2000, 3000. Oui, oui, 3000 et 20 plus. Donc, ça, c'est la démonstration de l'emballage. Bien l'emballage. L'emballage, c'est pas mal. Oui, très bien. Nous avons fait un type de chocolat pour le travail ici. Chocolat au pili-pili. Oui, nous avons pili-pili, nous avons gingembre, nous avons poivre noir. Oh. Donc il y en a combien, 4 ou 5? Nous en avons 12 différents. 12 11. On peut faire encore plus. Avec blanc aux arachides. Ça c'est la pâte à tartiner. Ouais. On fait ça aussi. Ça c'est au pili-pili noir. Bon, moi tu me donnes au moins un des 5. Ah ok. On peut acheter quand même. Oui, oui, oui. Bon, donnez-nous ce qu'on peut acheter. On doit gagner du temps. Le conseil du plan produit, ça c'est la pâte à tartiner. Mm-hmm. Parce que c'est chaud aussi, ça va bientôt lancer le marché. Ça c'est la poudre instantanée. Donc, les suites. Les suites. On essaie de faire en Europe, nous aussi on fait ça. Les suites, pâte à tartiner. On devrait vraiment faire beaucoup de produits avec le cacao congolais. Alors, on fait faire avec la vanille de Beni. Mm-hmm. On fait les produits avec les produits locaux. On essaie de faire. C'est magnifique. Pour ça que ça doit coûter cher. Bon. C'est du bio. C'est du bio. Le pire, c'est du bio. Il faut alors une niche, comme on dit. Bon, montre-nous ce qu'on peut. Vite partir parce que là vraiment. Excusez-moi, Amina. On vient de nous donner. Mais quoi, Marie, on ne sait pas c'est lequel. Mon paquet est où? Ah, votre paquet est arrivé. Mettez-moi aussi du gestion pour les lancer. Maintenant, il dit que je pars samedi, on conserve ça au frigo. Oui. J'espère qu'à l'hôtel, là, ils ont. Là, c'est. Ah, magnifique. Wow. Ça, vraiment. Ça, c'est la fête, c'est la fête. Oh, magnifique.
il a les petits carrés pour le bureau. Oula. Si quelqu'un veut vous voir, il vous met ça même dans l'eau chaude, ou bien il croque ça. Hein? Ah non, ça je vais faire des commandes spéciales. Alors, ok, là, vraiment, c'est non. Ça, oui. Ça, désormais, il n'y a que ça que je vais donner chaque fois à promotion quand j'ai un okay. Vous pouvez aussi nous donner votre, le meilleur message qu'on peut écrire ici. Bon, ça, on va après le mettre d'abord dans mon carton, ça, que rien ne disparaît. Oui, Fungue, vous dites quoi de nom, Nani Aki. Ah, l'état est riban. Riban. Papa Kalina, qu'est-ce que vous m'avez mis dans mon. Vous aussi. Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Vous voulez changer? Je vais changer, en fait. Non, il faut me mettre, il faut me faire dans un Mélimélo. Mélimélo, hein? Parce qu'on avait mis les noirs, tout simplement. Il faut mettre le pili, et puis le gingembre et le noir. Ok. Comme ça, on va entrer les mélos, hein. Gingembre. Ça, c'est bon. Poivre, ok. Ça, c'est bon. Allez, ok. C'est que vous avez goûté. Mettez-moi du gingembre et du pili. C'est bon. Et les petits, là, pour le mousse. Vous avez l'air. Oui. Là, c'est... À la fille, il y a plus les gorilles, on n'a pas mis. Ça aussi. Comptez. Comptez. Mettez la chute. J'ai pas envie de porter avec un bouquin. Mais moi je vais faire ça à l'hôtel. Ah, il me garde ça pour nous ici. Oui, c'est bien, peut-être. Ok, alors ça va. Moi c'est bien. Okay. Mais samedi matin, si mon fils est récupéré, ça, on vient dans les équipes. Non, on peut s'amener à ce On garde ici. C'est ça qu'ils disent qu'on peut garder pour nous ici. Parce que quand on part. Oui, mais on part que vendredi en tout cas. Ok. On va pas les consommer. Ok. Bien sûr. Mais alors, eux, ils viennent dans notre rencontre. Bon, c'est donnez-moi. Ah, il y a ma télé. Ça, c'est vous, Denise. Oui, il est chez vous. C'est Willery. Willery, à côté de la rond-point de Willery, là, Kalembelebe. Ah, non. Parce que j'ai pas envie de le faire. Bon, je peux toujours prendre. Ma présidente, on peut toujours prendre comme ça, on en met dans le sac, c'est mieux. On amène. Moi, je vais. De toute façon. Moi, je vais demander si quand on part à Bukavu vendredi matin, on laisse dans les frigos. Oui. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Oh, la population des Goma n'est pas habituée avec vous. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Oh, la population de Goma n'est pas habituée. C'est Albert Yuma Mulimbi, le président national de la FEC. Vous avez visité l'usine des chocolats ici. Vous avez quelle impression après votre visite? D'abord, c'est une très agréable surprise. Et puis après, une énorme fierté de voir un fils du pays, un membre de la FEC, qui a vraiment la détermination pour faire une telle œuvre. J'ai, à la fin du processus de visite de toute la production, goûté. Je peux vous assurer, je suis un amateur de chocolat, mais je n'ai jamais mangé un chocolat aussi bon. Nous comprenons maintenant ce qui lui manque pour se développer davantage. C'est des financements supplémentaires, c'est surtout une promotion du produit. En tant que président de la FEC, c'est notre rôle de promouvoir nos membres. Et voilà un membre qui demande et qui mérite d'être promu. La FEC va s'impliquer pour le faire avancer encore davantage. L'implication de la FEC, concrètement, c'est pas pour accompagner. Mais il y a deux points essentiels. C'est la recherche de financement supplémentaire et la promotion commerciale. C'est ça que la FEC va faire. Président, vous avez quel message que vous voulez adresser à nos concitoyens congolais par rapport à cette usine aujourd'hui ici? Qu'ils soient fiers et qu'ils prennent exemple. On peut tout faire dans ce pays. Dans ce pays, on a toutes les ressources naturelles pour produire nous-mêmes ce que nous devons consommer. On n'a pas besoin d'importer rien et certainement pas du chocolat. Voilà. Merci. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Papa Kalinda, l'initiateur de la chocolaterie L'Or. Oh, vous avez créé une chocolaterie au niveau de Goma, c'est une première d'ailleurs. Nous pouvons savoir qu'est-ce qui vous a poussé de faire ce travail ici?
Bon, d'ailleurs, c'est ok, merci beaucoup. Et je crois que je peux vous dire que depuis ma naissance, j'ai vécu dans des plantations. Mon papa, il fit un planteur. Nous sommes nés dans les plantations, café, tout ça. Moi-même, j'ai évolué dans les cafés. J'ai fait l'achat café, j'ai fait les plantations café, tout ça, tout ce qui. Et l'agriculture, en tout cas, j'étais dedans tout le temps. Et alors, quand je faisais la vente des cafés, tout ça, je disais toujours, un jour, moi aussi, je serai producteur de ces cafés. C'est comme c'est ce qui m'est arrivé. Quand le café est tombé, je me suis entré dans le cacao. Et je suis arrivé chez nous à Walikale, j'ai trouvé que le cacao était mal utilisé. On cissait le cacao, après on jetait. Alors c'était de l'or qu'on jetait. C'est comme ça que j'ai initié, j'ai essayé de montrer les gens comment on peut faire ça. Donc on a amené ça. Quand je suis arrivé à Goma, j'ai présenté ça. On a dit que nous avons un beau cacao. Voire même nos amis qui m'ont amené les échantillons en Europe et en Amérique, ils m'ont encouragé beaucoup. Ils m'ont dit non, ça c'est du très bon cacao, on peut faire même du bon chocolat. Est-ce que tu peux avoir en grande quantité? J'ai dit non, il n'y en a pas, tout ce que j'ai, on a ramassé ça. Alors ça m'a donné l'idée maintenant de venir créer cette situation de cacao, cet objectif d'avoir le chocolat. Vous avez une usine de fortune, bien sûr, dans votre enclos. Vous avez quelles difficultés pour pouvoir épargner ou pour pouvoir étendre votre commerce? Bon, je sais que je peux dire que nous n'avons pas de machines qui peuvent produire beaucoup, une grande quantité. C'est ça la difficulté que nous avons. Nous faisons du bon chocolat, bio, artisanal, tout ça. Avec un coût élevé, parce que comme c'est artisanal, vraiment ça nous coûte cher. Hein. Alors c'est comme ça que si on a vraiment les machines, on peut maintenant commencer à exporter nos chocolats ailleurs. Alors aujourd'hui, vous venez de bénéficier de la visite du président de l'Afrique, M. Albert Yuma. Ça vous fait quoi? En tout cas, cette visite a été pour moi très très encourageante, tout ça. Vous savez. J'enlève les gants. Voilà. Ils ont déjà commencé l'émission, on va aller perturber leur émission. On peut rentrer. Gilbert, bon, en principe, eux, ils ont dû déjà commencer le plateau. Alors nous, on peut simplement aller à l'hôtel, on les attend. On rentre à l'hôtel. Mais alors, il faut qu'on rentre à Kiburo, du coup, un véhicule. Ah oui. Kiburo, qui va là? On va là. Ok. Mais on se retrouve ce soir chez Mwanza, non? Je ne savais pas. Oh. Comment? Oui. Non, au couille, comme ça on va continuer à parler. Ça, à la maison, hein? Toi qui es Kounyumba. Ok, tout à fait. Sans nappe. D'ailleurs, ça. Voilà. Ça fait un vieux souvenir. Non, je vais demander à Guy Wabert. Ok.